Est-ce qu'on peut aller à la piscine ce soir? On a le... bien. Oui. Oh ben on profite que pas. Monsieur, s'il vous plaît, il faut avancer, monsieur, merci. Il n'y a pas du tout, monsieur. Ah bon, pardon, monsieur, vous êtes avec madame? Oui. Allez-y, monsieur. Centré, monsieur, d'accord. Vous pouvez vous asseoir, messieurs, dames, s'il vous plaît, merci. Et sortez la carte vitale, s'il vous plaît, merci. Bonjour, monsieur. À la suite, messieurs, dames, votre boîte, merci. Vous faites patienter quelques minutes. Ah oui, pas de problème. Hein. Il y a une chose. Tiens, monsieur, je vais libérer le droit de vous dépouiller. Votre carte vitale, elle est là. Ça y est, il y a une septième dernière dose dans la vie. 5 secondes. Comme a priori les deux doses ça diminue, donc effectivement la troisième dose est nécessaire, surtout en période d'hiver où il risque d'y avoir beaucoup de problèmes là cette année. Dans d'autres pays c'est déjà assez grave, donc autant être protégé. Si on veut voir sa famille aussi, si on veut pouvoir sortir. Parce qu'il y a des normes gouvernementales, à savoir que si on n'a pas la troisième dose passé un certain délai, on ne va pas avoir de passe sanitaire. Donc, il faut rentrer dans les règles. Bah, le confinement, ce n'est pas nous qui décidons, et puis tout dépendra de l'évolution du nombre de cas. Donc on ne peut que subir, mais bon, comme la vaccination, c'est le seul moyen pour se protéger en ce moment, donc il faut faire la vaccination. Puis s'il y a confinement, bah, on respectera le confinement. Mais plus il y a de gens qui vont se faire vacciner, moins il y a de risque de confinement. Je dirais que donc il y a 80% de troisième dose et 20% de première et deuxième dose. Alors, la différence, c'est que les premières doses sont des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, alors que 80% de la troisième dose, eux, sont des gens qui sont complètement dans la culture de la vaccination. C'est très différent. En termes d'acceptation, en termes de volontarisme, c'est plus facile de travailler quand des gens sont volontaires dans l'action que quand ils sont un peu plus réservés. Oui. Au début, j'étais un petit peu réticent, sachant que voilà, il y avait plusieurs vaccins qui sortaient. Il fallait savoir aussi un petit peu l'efficacité du vaccin, surtout moi qui ai une maladie génétique, donc il fallait quand même, il fallait bien surveiller ça. Donc. Ce qui me soulage, c'est qu'on va avoir plus de liberté, déjà avec le vaccin. Après, même si je n'étais pas vacciné, je faisais quand même des tests antigéniques pour savoir si, du fait que je travaille aussi avec justement des clients et autres, il fallait quand même savoir que je ne sois pas malade.